yourself alone? Just say who you are, and then you can present yourself. And what do you want? Can you start? Okay. You're there. Bonjour tout le monde. Comme j'ai... oui, yes, but there are people who doesn't understand my French, but they know already. Okay. Alors, comme je vous avais écrit dans le mail que j'ai diffusé, j'ai profité de l'occasion de ce petit court voyage de ces trois belles personnes qui viennent de Bulgarie. Yasen, Theodora et René. qui sont ici juste pour quelques jours et pour connecter un petit peu avec ce qui se passe ici, avec ce qui se passe dans la ville, avec ce qui se passe un peu sur tous les niveaux, pour connecter entre ces deux énergies qui sont très similaires et très différentes en même temps, qui sont les énergies de Bulgarie et de France, et où il y a quand même pas mal de liens qui connectent ces deux lieux, apparemment si différents. Des liens spirituels très 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 forts, auxquels je suis aussi très très réveillée. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai profité du fait que de cette venue pour organiser une espèce de un cercle, une réunion. Pour moi, c'est comme une réunion de famille un petit peu. C'est une réunion où je fête le fait de retrouver ma famille de cœur, ma famille d'âme, ma famille spirituelle, qui est beaucoup plus vaste, évidemment, mais ça, ce n'est qu'un petit jalon, comme un petit bout du patchwork de la famille que j'ai partout dans le monde. Et cette occasion m'a été donnée très récemment pendant un séminaire de Crayon à Sofia, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes. Et donc pourquoi ce soir? Pour différentes raisons. Parce que on se souvenu avec Yasen d'avoir déjà vécu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pas mal de fois bien avant, pour ce qui donne par évident le fait qu'on a vécu plusieurs fois. Ils peuvent le comprendre. On avait envie de renouveler avec ce qui nous a liés dans le temps, mais sous une forme, comment dire, renouveler, purifier de tout ce qui a pu être le passé qui nous a liés jusqu'à maintenant, libérer de toute, toute attente, tout blocage, toute forme d'image, toute forme de d'obstacles à ce qui aurait pu être notre évolution, et qui fait que nous nous retrouvons ici aujourd'hui justement pour faire face à cela et pour le communiquer, pour se réaligner nous-mêmes mais aussi pour le communiquer. Je ne sais pas de quelle manière on le fera, parce que tout ça c'est un happening, tout ça c'est un complètement live, on n'a rien préparé, mais on avait vraiment envie de transmettre un message qui va dans le sens de la réunion des deux polarités, masculine et féminine, au-delà de la réconciliation, de la réunion de ces deux énergies très puissantes, spirituelles et de maîtrise entre la France et la Bulgarie. Donc c'est un peu un mélange de genres où on va exprimer un petit peu ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui à travers différentes techniques, peut-être le son, sûrement le son, méditation guidée, peut-être des enseignements, enfin j'en sais rien, ce qui va venir là, comme ça, sur le moment présent. Et voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si Yasen, do you want to say something? Yes. Yes. Il prend des photos pour l'instant. Pour te souvenir. Il a peut-être amené complètement autre chose que ce que je viens de dire, donc c'est très intéressant. Good evening to all. Bonsoir.
It's an interesting way to meet with you, especially those who came while we were tuning together with Chiara. C'est une occasion particulière de vous rencontrer ici, surtout pour vis-à-vis de ceux qui sont habitués à voir que moi. I also believe, like she said, that for us it is a form of reunion and recognizing each other. Je crois aussi, tout comme Chiara l'a exprimé, que pour moi c'est une sorte, pour nous c'est une sorte de réunion et de reconnaissance réciproque. So it feels like we have always been doing this. Et il me semble vraiment comme si on avait fait ça depuis toujours. Maybe from a distance. Peut-être à distance. Maybe from the distance of time and space. Peut-être avec la séparation, la distance de le temps, du temps et de l'espace. But we feel that now is the time to reignite our mutual planetary work. Mais je ressens que ça c'est le juste moment pour nous pour redonner du feu à notre travail planétaire. So thank you for being our guests for Yassen. We are on your land. Et merci pour être pour nous avoir. You're our host and we are your guests. Nous avons je trouve pas les mots là. Être vos hôtes et nous les vôtres. So, voilà, ici. So we believe that there is a reason, and it's related to you that we are here also. Et je crois qu'il y a bien une raison, et cette raison, la raison pour laquelle on est ici, est reliée aussi à vous, le fait que vous soyez venus ici. Il y a une raison pour laquelle on se retrouve tous. As at a certain level of understanding, the newcomer and the guest is the male principle. À un certain niveau de compréhension, the vessel, non? The guest, the newcomer, is a male principle. Le nouveau venu, c'est un principe masculin. He's entering. Et il est en train de rentrer. But somebody is awaiting. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de l'attendre. And there is somebody that is ready. Et c'est quelqu'un qui est prêt. And somebody who has been doing the work. Et quelqu'un qui a déjà fait ce travail. So, the masculine principle can just be a good fit. À tel point que le principe masculin peut, à ce moment-là, être bien s'intégrer dans ce contenant. So, it is to our understanding that a speaker. Et c'est facile de comprendre que la personne qui parle. Is just a good fit to an audience. Et quelqu'un qui s'ajuste bien à cette audience. As we adore the divine feminine and what we call goddess. Et comme on est en révérence de l'adoration du principe féminin divin qu'on appelle la déesse. We believe that such meetings are a form of reverence and of paying due respect. On croit que ce genre de réunion est une forme de révérence et de respect envers le côté de la féminité divine. To, Her Majesty or her divine presence. Par rapport à sa présence divine, à sa majesté divine. So we believe that there is a call, and we have answered to this call. Et on croit qu'il y a un appel et qu'on est en train de répondre à cet appel. So, this is a good time for me to thank all of you. Et donc c'est un bon moment pour moi pour remercier vous toutes. For the last 10 years, we've been doing a lot of this. Parce que pendant les derniers 10 ans, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. And I would say that 90% of the audiences are ladies. Évidemment, 90% de l'audience est toujours féminine. We're doing work not only on the Balkans in Bulgaria, but worldwide. Et on travaille non seulement en Bulgarie, mais un peu partout dans le monde. Although from a distance. Aussi à distance. But anyway, the percentage is the same. Mais le pourcentage est toujours le same. 9-1. 9-1. So, what we have witnessed and what we have experienced that the ladies are the keys to ascension.
Et ce dont on a fait l'expérience, c'est que bah, les femmes, la féminité, sont les clés de la, pour l'ascension. So we don't know why, but humanity is ascending through the feminine. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, un petit peu quand même. L'humanité est en train d'ascensionner à travers le féminin, n'est-ce pas? C'est la porte vers l'ascension. So it might look as we are a small group. Et il peut sembler qu'on est un petit groupe. But actually, we do believe that we are thousands and even tens of thousands now. Je pense qu'on est maintenant des milliers, des dizaines de milliers maintenant. And what is happening here is like a nucleus, or like a womb. Et ce qui se passe ici, c'est comme si le début d'un noyau, comme un ventre qui donne naissance. For something that is about to grow. Pour quelque chose qui est en train de croître, de grandir. Many, many times. Plusieurs fois. And so it is. Et così è. Amen. Et ainsi soit-il. And I would like also to make a very small presentation to Chiara. Je voudrais faire aussi une petite présentation de Chiara. And for us, she's beloved Chiara. Et pour moi, pour nous, c'est bien aimée, la Chiara bien aimée. So today, just before entering this place and having great walks in her guidance, in her steps. Et alors aujourd'hui, avant de rentrer dans cet espace et commencer à faire, se réunir à faire des sons sous sa guidance. We felt that there is a very funny game with her name. On a découvert qu'il y avait des jeux très bizarres, très marrants avec son prénom. And it gives us a very important message. Qui nous donne un message très important. Because Chiara. Parce que Chiara. Reminds us that. Nous rappelle que. Keys are us. Keys are us. Keys are us. Us. Ah, not bad. Les clés, nous sommes les clés. Keys are us. Keys, in English, keys are us. Les clés, nous sommes les clés. Keys are. So, I believe that her majestical presence. So, je crois que sa présence majestueuse, j'ai dit, oui, ok, d'accord. Is a symbol. C'est un symbole. And to me personally, is a living testament. Et personnellement pour moi, c'est un testament vivant. That we have to do the work, and nobody else will be doing the work. Que on a un travail à faire, et que personne d'autre aura ce travail à faire. Can you repeat this? Because I don't agree. Nobody. Really. Nobody else. What does it mean for you? It means that we are doing the work. We are doing the work. Okay. Yes, if we don't do the work personally. Ah yes, if we don't do the work that we are doing, nobody else will do it. Okay. Yes. Et si on ne fait pas nous-mêmes ce travail qu'on a à faire là, personne d'autre ne fera pour nous ce travail spécifique. So often when we travel, we play a small game, and it goes with some of the schools. Alors souvent quand on voyage, on fait un petit jeu par rapport à certains enseignements, certaines écoles de pensée. It's something like Simon Says. Et c'est quelque chose qui a dit Simon? Says. Simon Says. So we say something and everybody says something. Ah, like a game. Ah, comme un jeu. On dit quelque chose et tout le monde dit la même chose. And when we show something, everybody does it. Et quand on montre quelque chose, tout le monde le fait aussi. So if I do, you do. If I say, you say. So ce que je fais, vous le faites. Et ce que je dis, vous le dites. So this is what I'm suggesting now. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Keys are us. Keys are us. And just feel. Keys are us. Feels good? Okay. So if we translate this message to our personal experience, it's the key is me. I am the key. Évidemment, si on transfère ce message à notre individu, c'est ça signifie la clé, c'est en moi, la clé, c'est moi. So if you agree, you could just do it and say, I am the key. Si vous êtes d'accord, vous pouvez juste le faire et dire, je suis la clé. Je suis la clé. I am the key. Je suis la clé. I am the key.
And you can feel the subtle response within your physical body. Et vous pouvez ressentir la réponse toute subtile, toute fine à l'intérieur du corps. I believe it should feel good. Et je suis persuadée que on se sent bien avec ça. Yes. Oui. Oui. Okay, so that was. C'est tout. Ah. Okay. So il va peut-être on va peut-être commencer à se relier par les sons. We are perhaps starting connecting each other with sounds. And perhaps starting straight with the Aum, chanted, I don't know how many times, I don't care, but we will feel it when it is right. And perhaps we can start together, us two, and then you follow, just we can start chanting the Aum, and then everybody of you will continue. On commencera à chanter le Aum, et puis vous vous joignez à votre rythme, sachant que c'est pas nécessaire d'être dans le même rythme, dans les mêmes tonalités. N'allez pas chercher la perfection dans le son. Juste se laisser sortir le son comme il vient, de l'intérieur. Laissez-vous chanter, c'est le corps qui chante, c'est pas le mental qui chante. C'est pas le fait de devoir atteindre un niveau de qualité du son. Il y a un moment d'ajustement, et puis de toute façon, chacun va s'ajuster avec le son du groupe. Et on n'a pas besoin de... On ne chante pas toute seule. Donc, il y a un équilibre, une harmonisation qui se fait au niveau du groupe. What I was saying, just rapidly and synthetically, is that I insist in telling people that they don't have to try to sing well, and just invite everybody to let your body sing for you. It is not your mind who sings, it's your heart. The rhythm is the rhythm of your body, of your breath, which is not the same for everybody. And even the level of the octaves are not the same for everybody. So don't try to do right or to do like your the person besides you. Just don't try anything. I mean, just sing. And it will be a moment in which all the voices will melt in one harmonic or different harmonics coming from the group, and it will be okay. So don't try to, I mean, you listen to the group and at the same time to your voice, but just without making any effort, particular effort. Okay? Ah, je vous invite quand même à respirer deux ou trois fois bien profondément pour relâcher le corps. Juste vider. Tout ce dont on n'a pas besoin. Oh.
who if you allow me now, I would suggest that we ground some of this tuned energy of ours. Si vous me permettez, je vous propose de enraciner ces énergies dans lesquelles on a chanté. And the best tool known to humanity for grounding. Et le meilleur outil connu par l'humanité pour s'enraciner. Is our personal body. C'est notre corps. Physical body. Physique. And the physical body has a lot to do with the lady, with the feminine. Et le corps physique a beaucoup à faire avec l'énergie féminine, avec le féminin. And the feminine is a good suggestion for humanity to be present in the physical body. Et le féminin, c'est une proposition, très bonne proposition pour l'humanité d'être présent dans son corps physique. Maybe she lost this gift. Peut-être qu'elle a perdu cette connaissance, ce cadeau. Or maybe it's just dormant, sleeping. Ou peut-être qu'elle est simplement en train de dormir en elle. So doing the body work, what we call the body work. Et donc faire le travail du corps, ce qu'on appelle le travail avec le corps. Is regaining our ability to work with the gift. C'est, ça veut dire récupérer notre capacité de travailler avec ce cadeau qu'on a. So now I would suggest that we do the centering on three levels. Alors je propose qu'on fasse une sorte de recentrage sur trois niveaux. And use the physical body. En utilisant le corps physique. Aligning it with the mental focus. En alignement avec le focus du mental. So that the spirit that descends within us and within the group. Afin que cette sphère, ce niveau de conscience, puisse descendre en chacun de nous et au niveau du groupe. Gets rooted. Descendre et que elle puisse s'enraciner. And we need this energy to be rooted in our bodies. Et on a vraiment besoin de cette énergie bien enracinée dans nos corps. Because we have our families. Parce que nous avons nos côtés féminins. We have our professions. Nous avons nos familles, nous avons notre profession. Our relationship. Nos relations. Our development, our challenges. Notre développement, nos challenges. So we need this energy. Et on a besoin de cette énergie de enracinement, de physique. And as we are playing the part of these keys of ascension. Et à partir du moment où on joue le jeu de jouer ces clés d'ascension. We need to be able to use this gift. On a vraiment besoin d'être capable d'utiliser ce cadeau, d'avoir un corps. So, let's just use our right hand and point at the three centers. Alors, on utilise notre main droite et on va pointer nos trois centres. You know that there are many centers throughout the body. Some say 7, some say 12, thousands, whatever. Tout le monde sait qu'on a plein de centres énergétiques dans le corps. Il y en a qui disent qu'on a 7, 12, plusieurs. But I would like to turn your attention to your navel. J'aimerais porter votre attention au niveau du nombril. And three fingers avec trois doigts below. En dessous. So what we call the lower belly or the lower part of the abdomen. Ce qui est la partie basse de l'abdomen. So as you touch it, please say physical. Et essayez de le sentir physiquement quand vous le touchez. Donc trois doigts à partir du nombril en dessous. Donc c'est le troisième. C'est à partir du troisième, c'est en dessous, le point qui est en dessous du troisième doigt, en fait. So, you touch and you le say physical. Le tantien. Hein? Yeah. Yes. So, we touch and we say physical. Quand on touche le corps, on le sent vraiment physiquement. Mm-hmm. You say? They say? Yes. Yeah. Okay, good. Mm-hmm. Then we touch our chest. Et puis on touche à notre poitrine. And here we say emotional center. Et ça se ressent de nos émotions entre les deux seins. And then we place our palms alongside our head, voilà. And we say mental. Et alors, voilà, dans notre tête, c'est le mental. So it's physical. Physique, corps physique. Emotional. Corps émotionnel. Mental. Corps mental. Perfect. And you know the spiritual is here. Right? Spiritual is here, up here, the crown, spiritual. Okay, so now. I would just ask you to place your hands
On met les mains dans le corps physique. And just feel as you already possess a sphere there. Alors sentez comme vous déjà vous possédez une sorte de sphère à l'intérieur de ce point. And as you are the mothers in this room. Et à partir du moment où vous êtes toute la mère dans cette pièce. I don't have to explain to you. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. But all life. Mais toute vie. Is born there. Est née par ce centre. And something that is just a cell, and then two cells. Et il y a quelque chose qui, comme une seule cellule, voire tout, deux cellules. Grows within your feminine bodies millions and millions of times. À partir de ces cellules, dans votre corps féminin, elles se prolifèrent en milliers de fois, en plusieurs fois. So this is your power source. C'est votre source de pouvoir. Now please feel it. Juste sentez-le. Feel the sphere in your lower abdomen. Et juste sentez cette sphère lumineuse, cette sphère à l'intérieur du bas du ventre. And please keep the mind focused. Et gardez-le focus. In the center of this sphere. Dans le centre de cette sphère. And if you would like, you can say the words. Et si vous voulez, vous pouvez aussi dire les mots. I regain my physical power. Je récupère mon pouvoir physique. I return to my physical center. Je retourne dans mon centre physique. And just do the body work. Et on laisse faire le travail au corps. And your body is speaking to you all the time. Et laissez le corps vous parler à chaque fois. It knows everything. Car il connaît tout. And you know everything through it. Et à travers le corps, vous connaissez tout. So please just feel its response. Alors, s'il vous plaît, juste ressentez les réponses du corps. Because your body is honest. Parce que votre corps est honnête. And it connects you to your divine mother. Et il vous connecte à votre mère divine. And the divine mother within. Et à la mère divine à l'intérieur de chacune. So feel it. Alors ressentez. And if you feel, you can send some emotional messages like love and gratitude. Et si vous le sentez, vous pouvez aussi envoyer des messages. Émotion, avec beaucoup d'émotions, comme des messages d'amour ou de gratitude. To this physical sphere. Et les adresser à cette sphère lumineuse. Good. Feel as your balance is growing more and more stable, and your power is increasing. Alors, ressentez comme votre équilibre intérieur augmente, et aussi une certaine sensation de pouvoir. You are nurturing yourselves. Vous êtes en train de prendre soin de vous-même. Please remember this feeling. S'il vous plaît, essayez de vous souvenir de ce souvenir, de cette sensation, de cette sensation. Observe the subtle changes. Et observez les transformations subtiles à l'intérieur. It's only you and you. Il s'agit uniquement de vous, avec vous. The sacred work. Le côté sacré de chacune.
Well done. Bien, très très bien. So now, if you would like, you can gently shift your hands to your chest. Alors maintenant, on va tout doucement ramener les mains à la poitrine. And you can place your palms like that over your chest bone. Poser les paumes au niveau du milieu de la poitrine. Or you can even have your breasts in your palms as you feel. Nobody's watching. Ou alors vous pouvez aussi tenir vos seins dans vos pas, dans vos paumes si vous vous sentez bien. Il n'y a pas de souci. Personne ne voit. If you feel that the energy is too strong, you can even remove your hands from your personal physical body and just hold them like that. Et si vous sentez que l'énergie est trop forte au sein du corps, vous pouvez éloigner un tout petit peu les mains de la poitrine et les garder à 10 cm de distance. Yeah. So please gently lift your elbows. Remontez un petit peu les coudes. And make sure that your underarms are free. Et faites attention à que les mains, les bras soient vraiment libres. So that the energy can circulate freely. Afin que l'énergie puisse and circuler not block it like that. Librement avec les coudes, les poignets et l'épaule et qu'elle ne soit pas bloquée sous les aisselles. Remember that was your emotional center. Rappelez-vous, ça c'est votre centre émotionnel. So now you imagine this sphere of emotional light. Alors vous allez imaginer cette sphère de lumière, d'émotion. That is the power of emotion within you, your resource. Qui est votre ressource, le pouvoir de l'émotion au sein de vous. So we can repeat the formula. On peut répéter la même formule. I regain my emotional powers. Je récupère le pouvoir de mes émotions. I regain my emotional powers. Je regain my emotional powers. Je regain my emotional powers. And feel the response. Ressentez la réponse. Feel centered. Ressentez-vous plus centré. And calm. Et calme. Peaceful. En paix. I return to my emotional center now. Je retourne à mon centre émotionnel, dans le centre de mes émotions now, maintenant. I return to my emotional center. And just be present in your body. Restez présent dans ce qui se passe dans votre corps. And remember that you have to keep your mind focus. Et gardez le focus, la concentration, l'intention dans ce centre. At the place where your hands are doing the physical work. Au niveau où les mains sont en train de faire ce travail physique. Okay. If you want, you can send the emotional message. Mm. Vous pouvez aussi envoyer des messages émotionnels, si of love and gratitude. D'amour et de gratitude. So you can feel the love and the gratitude and wait for the response. Vous pouvez ressentir de l'amour et de la gratitude et attendre pour la réponse. And it's a beautiful feeling. Et ressentez la beauté de ces sensations. Okay, perfect. And gently we shift to the head. Et puis tout doucement on va vers la tête. On pose les mains de par de la tête. And we just try to be symmetrical. On essaie d'être symétrique. Gentle pressure. Avec une pression très très douce. Against the center. En direction du centre. It's like the periphery is trying to reach the center. Comme si la périphérie était en train de vouloir rejoindre le centre. So we feel the center of the third sphere, and this is a mental sphere within the head. Et alors on ressent le centre de la première sphère, et c'est la sphère mentale à l'intérieur de la tête. Beautiful work. Parfait. Travail parfait. So as you feel the center of this sphere,
demander que vous ressentez le centre de cette sphère. You can say, vous pouvez dire, I regain my mental power. Je récupère mon pouvoir mental. I regain my mental power. And be present in the center of your head. Et restez présente au centre de votre tête. And feel the energy changes. Et ressentez le changement d'énergie au centre. I return to my mental center now. Je retourne dans mon centre mental maintenant. And don't forget to breathe, please. Continuez à respirer, s'il vous plaît. N'oubliez pas de respirer. And also remember to smile sometimes. Et souvenez-vous de sourire de temps en temps. You'll feel more warm, more vous beauty. Vous sentirez beaucoup plus entouré, beaucoup plus doux. And you'll feel light. Et vous sentez davantage la lumière à l'intérieur. So if you would like, you can add the emotional message. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter un message avec de l'émotion à votre mental. To your mental sphere of power. À la sphère de votre pouvoir mental. And you can say words of love and gratitude. Et vous pouvez envoyer des mots d'amour et de gratitude. Send the message. Envoyez le message. And feel the response. Et juste ressentez la réponse. Beautiful. Good. So gently release your head. Release the hands. And just have them rested on your knees or in your lap as you wish. And just feel symmetrical. And balanced. And centered. You are now centered physically, emotionally, and mentally. Voilà, vous êtes actuellement centré en vue physique, mental, émotionnel. As simple as that. Et si simple. Through the bodywork. Ah, avec le travail, avec, sur le corps. I regain my powers, all levels. Je récupère mes pouvoirs sur tous les niveaux. And I return to my center now. Et je retourne dans mes centres maintenant. So be it. Qu'il en soit ainsi. And so it is. Amen. Okay. And please try to hold this state and structure within yourself. S'il vous plaît, essayez de garder cette structure à l'intérieur du corps. And make sure not to lose it. Assurez-vous que vous n'allez pas la perdre. It is a simple tool. Et c'est très très simple. And as each and every tool that we possess and have been given. Et à travers tout ce qu'on possède et qui nous a été donné. It is as good as we are using it. Il est parfaitement bien tel que nous l'utilisons maintenant. Regaining the gift means using it. Récupérer les cadeaux signifie les utiliser, les réutiliser. Yeah, that's it. Okay. You feel good?
vous invite maintenant à visualiser d'abord la forme de l'octaèdre. L'octaèdre, c'est une double pyramide inversée. I invite you now to visualize an octahedron, which is the form of a double pyramid, one against the other. We are 8 in this room. Number 8 is a very, very big symbol. On est 8 rassemblés ici. Et le nombre 8 est un symbole très particulier. L'infinité. L'infinité. Et c'est aussi un symbole au niveau des couches de l'ADN qui nous relie à la cache, à la structure de notre Akash. This is a symbol coming from our DNA layers, which connects us with our Akash. All the information that make us as we are. Toutes les informations qui font que nous sommes ce que nous sommes maintenant. Et j'invite maintenant, au-delà du temps, passé, présent, futur. And I invite you to consider the now from the Akashic point of view as present, past and future at the same time. With the octahedron, we can tap into past, present, future information in our Akash, in the structure of the space and time, and in the seven directions. Dans la forme de l'octaèdre, on a la capacité de aller puiser dans nos annales akashiques, passé, présent et futur, dans le même moment. Et dans la structure de l'espace-temps, dans les sept directions. Alors je vous invite à visualiser cet octaèdre au milieu de nous, double pyramide dorée. Regardez les arêtes, focalisez-vous sur les arêtes. Et faites en sorte que cette forme s'agrandisse afin de nous contenir tous à l'intérieur. I invite you so to visualize this octahedron and the edges are golden, bright, shining. The octahedron is oriented on the cardinal points. And it gets bigger and bigger until it contains our group. And again, the octahedron is one of the forms that the authors used for healing. Masters of sound. L'octaèdre est aussi une des formes privilégiées par les Hathor, les semi-dieux en Égypte, qui travaillaient avec les pharaons et qui étaient les maîtres du son. Alors on mélange beaucoup de choses. The octahedron brings so many informations in our awareness. L'octaèdre amène tellement d'informations dans notre champ de conscience
qu'on le veuille ou non. We want it or not, these information are accelerating the process of integration in us. So the octahedron means balance, healing in the Akash, and remembering, merging of all the divine attributes. Of the divine lives, which are now melting in one unique energy in any one of us, dans l'octaèdre, on accède à toutes les qualités de nos vies divines, présentes, passées, futures. Afin de pouvoir émerger en une maintenant. Pour les Hathor, l'octaèdre représente aussi l'équilibrage du masculin et féminin, les deux pyramides inversées, se touchant l'une l'autre, le feu du ciel et le feu de la terre. For the Hathors, the double pyramid, octahedron, means also the balance between feminine and masculine energy, the two pyramids representing also the fire of the earth and the fire of the heaven. So this is a symbol of perfect balance between the opposite. And now I invite any one of you, any one of us, to visualize his own golden octahedron around himself. J'invite chacun de nous à visualiser son propre octaèdre doré autour de lui, d'elle, et s'imaginer de s'asseoir exactement au milieu, en suspension, au niveau de la base des deux pyramides qui se rencontrent. And so being in the middle of this form, glowing golden form, we just sit in the middle of the central space. Where the two pyramids join themselves. And this form starts spinning on its axis. Cette forme commence à tourner dans son axe, qui se trouve être notre canal central. And we are sitting in this axe. And we breathe in and breathe out 7 times. And when we expire, we invite the octahedron to turn even faster, clockwise. On va respirer 7 fois. 7 expirations, on invite l'octaèdre à se tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chaque expire, il va tourner de plus en plus vite.
And the more we spin, the more we lose the sensation of the linear structure, the octahedron. Le plus vite on tourne, le plus on perd rapidement la vision linéaire de la structure de l'octaèdre. Les arêtes dorées deviennent des lignes courbes. The golden edges becomes curved lines. And the speed becomes so quick, so rapid, that we melt with the form. The body melt with the form melt with the body. No boundaries between the body and the form. No more body, no more form, just light. Plus vous allez rapidement, dans le spin, dans la vitesse de l'octave, plus vous perdez le sens de l'ligne. On rentre dans une forme de vitesse où on perd la notion du corps qui pivote avec l'octave. La forme disparaît dans des lignes courbes de lumière et le corps fusionne avec la même lumière. Plus de forme, plus de corps, plus de lignes, plus de courbes. Juste un axe vertical, terriblement stable, pacifique. What remains is the vertical axis in perfect stillness, void, peace. Observing the dance of the light all around. Et à partir de ce centre, cet axe vertical, puissant, immobile, vide, j'observe la danse de la lumière que je suis. Center of this axis. I observe the dance of the light that I am. Je suis dans la joie la plus pure, la plus pure. Ecstasy of joy. Extase de joie. La joie du jeu. The joy of the game. The game of the joy. Le jeu de la joie. Juste sentez le corps. Just feel your body. And feel all the 3 billion of
molecules. Excited, dancing. Ressentez le corps, juste maintenant. With the feeling, avec le sentiment, la sensation du principe féminin, with the feeling of the feminine principle, in the stillness of the masculine principle, dans la paix, dans l'immobilité du principe du conscience masculin. Feel. Juste ressentir. Jusqu'à la pointe des cheveux et à la pointe des pieds. Juste. Welcome the body. Ce miracle. I am this miracle. Je suis ce miracle. Non, on fait la fête maintenant. On va en boîte, on danse.
ça va. Bien. Je demande.
It's okay. Est-ce que quelqu'un a des, je sais pas, des questions, des questions qu'il a envie de dire? D'abord, on ne s'est pas présenté vraiment tous, enfin, chose que je fais régulièrement, mais on a un peu, on est pas tout de suite à l'action, on ne s'est pas présenté. I said that I didn't take the time to present each other in this circle, what I did, what I do regular, I didn't do before. So perhaps people wanted to say something. Something to share? Anything to share? Say? No? Okay. Non, on va danser. Non, il y a un pavé la Chine, il y a quoi d'autre? Il y a... Il y a... Je sais pas. I was telling that everybody has to be ready to go to dance now. So we can share all this energy. Can we say something about what we talked? About the city? About, yes, just, it's up to you, yes. Bon, Yazen avait simplement quelques considérations qu'il avait envie de faire à propos de Paris. Parce qu'aujourd'hui, on a fait un tour. On a passé toute la journée dehors, on a visité certains lieux particuliers. Et il avait envie de, bon, de dire ce qu'il en pensait. Ce qu'il avait. So, we can share this message with you like a channeling. And we can share it also rationally, like from the 3D perspective. On peut partager avec vous cette information comme une canalisation, par exemple, ou alors, si vous voulez, d'un point de vue beaucoup plus rationnel, 3D, très, très... And we know that normally people love to receive channeled messages. Et on sait que les personnes, en général, ont envie de recevoir des messages canalisés. It's romantic, sentimental, emotional... C'est une manière romantique et émotionnelle de recevoir les informations. Plus there is a higher energy, definitely. Plus there is a... Higher energy, higher vibe. Il y a une énergie assez forte, là, actuellement. But as you might have heard, a new time has come. Mais comme vous devez l'avoir entendu, il y a un nouveau temps qui est arrivé. And this is the time for the messengers of the merge. Et ça c'est le temps qui est venu, c'est le temps qui vient pour les messagers de ce nouveau temps qui émerge. As we had the chance to hear from Lee Carroll himself. Et on a eu la chance d'écouter de la part de Lee Carroll lui-même. The most prominent Crayon messenger. Qui est le messager de crayon, le principal messager de crayon. I had the chance to be physically present in the hall when he said, "Now it is the merge." Et j'avais la chance d'être présente dans le hall quand il a dit, "Maintenant c'est l'émergence, nouveau temps." So the human and the superhuman consciousness don't have to play separately; they are now together. À tel point que l'humain et la conscience ne sont plus autorisés de travailler séparément, là maintenant ils travaillent ensemble. And they don't have to alternate or change roles. Et ils n'ont plus besoin de s'alterner ou de changer de position, de se séparer. So, as there is a lot of energy in this room. Et à partir du moment où il y a énormément d'énergie dans cette pièce. Personally, I feel that we don't need to invite more and more of it. Et personnellement, je ne crois pas qu'on a besoin d'en inviter encore davantage. But I would suggest that we structureize mentally. Alors, je vais essayer de structurer mentalement. Without losing the higher vibe. Sans perdre les vibrations qui sont déjà dans ces pièces assez hautes. So, Yassin will be speaking from a normal mental perspective. Alors Yassine parlera à partir d'une perspective du mental. But de base. This is very important, and we would ask you that you keep it with you. Mais pour moi, il est très important, et j'aimerais bien que vous
ou l'intégrer. Observe it, feel it, and work with it. Ou alors tout simplement le ressentir, l'observer, voir ce que ça fait, et puis voilà, le travail en vous. Mm-hmm. So what we notice in this city about its people. Ce dont je me suis rendu compte dans cette ville à propos de ses habitants. It's a huge city. It's a megapolis. C'est une mégapole, une ville énorme. It's a melting pot for so many souls. C'est un mélange, un melting pot pour énormément d'âmes. And there are so many people arriving at this place with hope. Et il y a beaucoup de gens, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans cette ville avec un espoir, à Paris avec un grand espoir. To be saved and to find their fortune. D'être en sécurité, de retrouver leur chance, la fortune. And it happens so very often so that we escape from something somewhere. Et ça arrive régulièrement quand on veut fuir de quelque chose et on va vers autre chose. And we really very much hope that that will be the end of it. Et on espère vraiment que ce soit la fin de ce scénario. So there is our challenge. We move and our challenge is lost somewhere. Comme ça, on a un challenge, on va ailleurs et on perd à nouveau la chance de résoudre ce challenge parce qu'on le retrouve là où on va. But as you might have noticed for the last years. Mais comme vous pouvez l'avoir remarqué depuis l'année dernière. It doesn't work like that. Ça ne marche plus comme ça. Because having challenges is a question of inner structure. Parce que avoir des challenges, c'est une question de structure intérieure. Ça va travailler sur la structure intérieure. So physically moving from one place to another place doesn't solve a problem. Alors déménager physiquement d'un endroit à un autre, c'est pas ça qui va résoudre le problème intérieur. Having one partner and changing for the next partner doesn't solve a problem. Avoir un partenaire et changer pour un autre partenaire d'un jour à l'autre, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Having one job and changing it for another job. Et avoir un boulot et puis changer pour un autre boulot. Having one career and changing for another career. Avoir une carrière et changer tout de suite pour une autre. Having one school of spirits changing for a better one. Une école spirituelle et choisir une meilleure école spirituelle. It just doesn't solve anything. Ça ne résout rien. Because. Parce que. It's our inner structure. Parce que tout est à l'intérieur de la structure. Notre structure intérieure. And if we are not really structured and centered. Et si on n'est pas vraiment structuré et centré. The only thing that we do is we amplify. Tout ce qu'on fait, c'est amplifier. Our problematic structures. Notre problématique au niveau structurel. And we hope that the period is long enough so that we do not suffer. Et on espère que le période soit suffisamment long afin de ne pas souffrir davantage. So if I increase the speed and the rotations per minute, the RPM. Et comme ça, si j'augmente la vitesse et la rotation aussi pour moi, et when I look in the reverse mirror, I just. Quand je regarde dans mon miroir. En face, it won't get me. Voilà, je cours encore plus loin en disant, il va pas. Voilà, je suis en sécurité, il va pas me rattraper. Well, as you know, it doesn't work this way. Eh ben, ça marche pas. So back to our city. So. Back to our city, Paris. Oui, pour Paris. De retourner à notre ville. Or New York, or Milan, or whatever. Mumbai. Paris is special. Yes, Paris is the best. No, I didn't say that. Okay, it's just the idea that Paris is a huge city and yes. A gathering, so all the cities, especially main cities, have this problem. La plupart des grandes villes ont ce problème, effectivement, tout comme Paris. And we notice that there are many of us here that are just not being present. Et on remarque qu'il y a énormément de personnes ici qui ne sont tout simplement pas présents à eux-mêmes. So people are there physically, but not there. Les personnes ont l'impression qu'elles sont là physiquement, mais en fait, elles ne sont pas là. And they're not just, as we talked with beloved Chiara, they're not just only in the mind. Et ils ne sont pas uniquement que leur mental non plus. Because modern men and modern women, they're used to live in their heads. Normally. Parce que l'homme et la femme modernes sont habitués à vivre dans leur mental. And much of the energy is centered in mental work and mental challenges. Et beaucoup de l'énergie est concentrée dans un travail mental, dans un travail de. But what we notice that
people are actually beyond and away from their bodies, physical bodies. Ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes sont vraiment au-delà de leur corps physique, comme si elles étaient fragmentées tout autour. So, I think this is part of our work. Je pense que ça fait partie de notre travail. To return back. De ramener toutes ces parties explosées. To what our physical reality is. À notre réalité physique. Because trying to escape each and every time. Parce qu'essayer de s'enfuir à chaque fois. With a new project. Avec des projets. With a new musical track. Avec des morceaux de musique. New friendship, les amitiés, new partnership, les relations avec nos partenaires. It just makes so that our problems accumulate more and more. Fait en sorte que nos problèmes comme ça s'accumulent de plus en plus. And now we're trying to postpone what we have to do. Et on pose après ce qui a véritablement besoin d'être fait. It doesn't solve anything. Et ça ne résout rien. So keys are us. Alors à nouveau les clés c'est nous-mêmes. So la clé c'est nous-mêmes. I am the key. Alors, je suis la clé. Yes, so what we investigated and we found out. Ce sur quoi on a un peu recherché, ce qu'on a découvert. Is this fear. C'est cette peur. Of physical presence. De présence physique. So there is a huge number of people living in Paris that are feeling lost. Et il y a énormément de personnes vivant à Paris qui se sentent perdues. And that are afraid et qui ont peur of themselves d'eux-mêmes and of living the life here et de vivre leur vie ici. They were afraid back then in the other place and now they're fearing that ils en avaient peur avant et ils en ont toujours peur here it won't work as well et même en arrivant à Paris ben ça marchera pas quand même and I don't want to sound pessimistic but I'm afraid it will be a fact. Et je ne veux pas être pessimiste, mais c'est un fait. Je l'ai ressenti. So if we don't integrate ourselves, alors effectivement, si on n'intègre pas, si on ne nous intègre pas nous-mêmes, and if we don't get centered, et si on ne se pose pas dans notre centre, we just don't get out as a winner in this game. On ne peut pas sortir gagnant de ce jeu. So it's like we lost it. Et c'est un peu comme si on était perdu d'avance. So what to do? Alors quoi faire? What we just did today with the physical centeredness, the emotional, the mental. Le travail que j'ai proposé tout à l'heure, c'est de se réharmoniser avec le corps physique, émotionnel et mental. It sounds or seems as something easy. Ça ressemble quelque chose de banal ou de facile. But might turn very difficult. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. So it is trained. It has been trained throughout different schools and teachings throughout the planet. Il a été enseigné à travers différentes écoles et enseignements partout sur la planète. But a very simple exercise is just to observe your mind. L'axe le plus facile, le plus principal, c'est d'observer votre mental, conscience mentale. So you can ask, am I with the body? Et juste vous demander, est-ce que je suis avec mon corps? Or am I not? Or non, ou pas. So for instance, I'm eating something. Alors par exemple, je suis en train de manger quelque chose. A good vegetarian salad or soup, bio, organic. Soupe, une salade, bio, végétarienne. Okay, but am I with my spoon and my salad? Suis-je avec ma cuillère, avec ma salade? Or I'm far away there. Ou je suis très loin en pensant à je ne sais pas quoi, en faisant les comptes. I'm in the next thing. Est-ce que je suis déjà dans la chose qui suivra après? I'm always in the next thing. Je suis toujours dans ce qui va suivre après. I'm in my next meeting. Mon prochain rendez-vous. In my next meal. Mon prochain repas. In my next destination. Ma prochaine destination. And I forget that I'm here eating this salad or so. Comme ça, j'oublie ce que je suis en train de manger. So the simple message is, am I with my body? Et ça, c'est le simple message, est-ce que je suis avec mon corps? I'm communicating with my partners. Je communique avec mes partenaires. Am I there? Est-ce que je suis là? Just feel, am I
que je m'écoute? Est-ce que je suis présent? Am I with my body? Je suis, est-ce que je suis avec mon corps? Okay, so if we accept this symbol idea, symbolic idea, symbol and idea. Si j'accepte ce symbole, cette idée symbolique. That the mind is a male principle. Que le mental, c'est le principe masculin. So it's concentration, focus. C'est le focus, la concentration. Mm. Like the phallus, it's penetrating. Comme un phallus qui est pénétrant. Or like a sword. Comme une épée. Upwards or downwards. Qui va vers le haut, vers le bas. So the mind is the male principle, the masculine principle. Alors, and the body is earth. It's female principle. Et la terre, c'est le corps, c'est la terre, c'est le principe féminin, c'est la matière. So it's very strange. It's a very strange idea. Maybe it's not so new, but uniting the mind with the body is actually meeting the masculine and the feminine and keeping them together. Alors c'est peut-être une idée étrange, mais réunir le mental et le corps par le principe masculin et féminin. So simple bodywork in awareness. Alors un travail fait sur le corps avec prise de conscience, avec conscience du mental. Actually might mean on a higher platform. Et ça peut signifier un travail qui se fait sur un autre niveau, alors plus profond. That we serve the divine couple in their togetherness. Et on rend service au couple divin dans leur ensemble. Hein, dans leur... And you can ask your body if there is some truth to this idea or statement. Vous pouvez demander à votre corps s'il y a une forme de vérité à cette idée, à cette phrase, si c'est vrai, si cela est vrai. To this system, it feels like yes. À ce système qui est le mien, il semblerait que oui. So how to find the perfect partner? Alors, comment trouver le partenaire parfait? How to find the divine masculine present in our personal lives? Alors, comment retrouver le masculin divin, la présence du masculin divin? Touchable. Reliable. Dans ma vie quotidienne, qui possède toucher, disponible. How to find the prince or the princess. Comment trouver le prince pour la princesse. And how to keep them together. Et comment les tenir ensemble. Because we don't want them to break apart. Parce qu'on ne veut pas, absolument pas qu'ils se séparent. We pick up our right hand. Alors, montez la main droite, qui irait de cela. The key is me. the keys are us. Ah, la clé, c'est moi. So, if we keep the male and the female principle within us, balanced and connected, si on arrive à tenir les deux principes masculin et féminin en équilibre à l'intérieur de nous, that will tend to externalize. Alors, on peut essayer de les externer. It will manifest on a physical platform. Et ils vont se manifester sur une plateforme physique, au niveau d'une plateforme physique. And today we shared with beloved Chiara. Alors aujourd'hui, on partage avec Chiara bien-aimée. That many of the French guys, men. Que énormément des Français de sexe masculin, des garçons. They are fantastic. They look so good. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air cool. Ils ont l'air fantastique. They are so generous. Ils ont l'air généreux. Mild. Ils ont l'air doux, enfin disponible. Supportive. Qui soutiennent, quoi, des personnes qui soutiennent. But it feels, I don't know, you'll say if this is true. Et je ne sais pas, c'est vraiment une première prise de vue aujourd'hui, une prise de conscience aujourd'hui. But it feels like they're like boys. Et on sent que c'est vraiment des garçons. They're like their partners, brother or son or something. Comme s'ils étaient partners, comme un frère ou un ami. Ils jouent le partenaire comme s'ils étaient des frères so ou des amis. It feels like they're a little afraid to be a man. Ils sont vraiment un petit peu peureux de devenir des hommes. By a strong woman. En union avec une femme qui est en général est forte, puissante. So it turns out that we as feminine. Alors, il arrive que. Like ladies and feminine bodies. En tant que côté féminin, en tant que principe féminin. If we don't keep this relationship within ourselves.
si on ne tient pas cette relation d'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, we would hardly keep it on the external platform. On pourra difficilement la tenir dans la relation de couple à l'extérieur. So the exoteric comes from the esoteric. Alors, the outer comes from the inner. L'exotérique vient de l'esotérique. Ce qui est à l'extérieur vient de ce qui est à l'intérieur. So that is our simple message to you. Ça, c'est notre message. Please try to keep the divine couple. Simple. Alors, essayez d'exercer, de garder ce couple divin. Divine masculine and divine feminine within you. Masculin et féminin à l'intérieur de vous. Connected. Connecté. Balanced. En équilibre. Respecting each other. Se respectant l'un l'autre. Nurturing each other. Se soutenant l'un l'autre. And the more you're doing this, le plus vous faites ça, the more this divine masculinity will manifest on the physical platform. Et le plus facilement le côté divin masculin va se manifester sur le plan physique véritablement. Yeah, as we said, ladies are the key. Et on l'a dit tout à l'heure, les femmes sont la clé. To ascension. De l'ascension. But as we need the balance. Mais on a besoin d'être équilibré. The ladies should be the key also to balance. Et les femmes devraient être aussi la clé de cet équilibre. So first they dominate and they create the proper earth, soil. Alors au départ, elles sont dans une position de dominance et elles créent leur propre sol à fertiliser. For the new males. Pour les nouveaux they hommes. They invite them. Elles invitent les nouveaux hommes. And then they balance the scales. Et après, il va falloir rééquilibrer les niveaux, quoi, les échelles. And it starts from within. Et ça part de l'intérieur. So as you are doing the work. Alors, comme je sais que vous êtes en train de faire ce travail, we really know that you are successful. Et on sait parfaitement que vous serez, que vous aurez du succès maintenant. So please be patient as you are, ladies. Alors soyez patientes, les filles. Ça va venir. And diligent. Et diligente. Yeah, and it happens. Et ça va arriver. Because I know so many men, and they are so afraid. Et je connais tellement d'hommes et ils ont tellement please peur. Keep this away from me. Oh no, this is your lady stuff. Ils disent non, je veux même pas en savoir. Non, ça, oh, ça this new age or this religion, please. Question nouvel âge. Okay, you can heal me because. Un petit massage là parce que ça fait mal. Okay, what's there for supper? Allez, qu'est-ce qu'il y a à manger là? Okay. I don't have this dislike for your girlfriends. J'ai pas cette attitude d'un amour. Okay, okay. Pour ma copine. Go to your yoga class or meditation. I don't want to know. À ton cours de yoga ou méditation, j'ai pas envie. J'ai autre chose à faire. But they don't have to be afraid. Mais ils ont pas besoin d'avoir peur. And you don't have to scare them. Et vous n'avez pas besoin de leur faire peur. Because the male now is so gentle. Parce que maintenant le masculin devient tellement doux, tellement gentil. And gets so easily scared away. Et en même temps plus vulnérable à la peur. And it's very funny. C'est très marrant. But it works like that. Ça marche comme ça. When a lady says, I found a new yoga class or a new meditation. Quand une femme dit, j'ai trouvé un nouvel cours de yoga, une nouvelle méditation, cours de méditation. The new gentle male feels this message like, okay, I've got somebody stronger than you. Le gentil garçon à côté d'elle, ce qu'il interprète, c'est, tu as trouvé quelque chose de plus fort de moi, qui vaut plus. He's better looking. Il a l'air beaucoup plus joli, le prof de yoga. I find so much pleasure with him. Tu te sens tellement apaisé et en plaisir en sa présence. I feel complete. Je me sens I don't need you. Je n'ai plus besoin de toi. So the result is, the male, the new male, they don't want to fight for you. Alors les nouveaux hommes, ces jeunes gens, ils ne veulent pas combattre pour but toi. But they say, okay. Et ils se retirent et se disent, okay. Je laisse tomber. C'est trop pour moi, je ne veux pas. So, you have to be careful. So faites attention à comment vous parlez à vos hommes. And from our experience,
Yes, like always, you should be the one that is supportive. Sachez que vous êtes celle qui doit soutenir l'homme avec male presence. La présence masculine, c'est vous qui ouvrez le travail. And you don't have to challenge masculinity. Et vous ne devez pas mettre des challenges face à la masculinité de l'autre. Because actually, this is the old male arrogant way. Parce que ça, c'est la manière dont le vieux mâle arrogant fonctionnait avant. So this is the wrong male principle, to be arrogant, to be aggressive, and to say, I know somebody who is better than you, or I have a better tool to crush you. Alors ça, c'est vraiment la vieille attitude masculine arrogante de dire... Now you see. Voilà, j'ai quelque chose de mieux que ça, j'ai trouvé quelque chose de mieux que toi, enfin, qui tend à abaisser l'homme. Comme une petite revendication. Just kill him softly. Not immediately, slowly, please. Comme si on était en train de tuer l'autre tout doucement, pas immédiatement, mais goutte à goutte, avec... So it turns out that ladies are playing men's games better than men. Yeah. Et alors, ce qui arrive, c'est que les femmes sont capables de jouer le jeu de l'homme, mais encore mieux que l'homme. So men are crushed. So men, ah si, et à tel point que les hommes sont vraiment explosés. And this is such an old story. Et ça, c'est une vieille histoire. And nobody needs it. Et personne n'en a. And nobody is happy. Et personne n'est content. So let's get to our balance. Alors, essayons d'être en équilibre. From the inside out. À partir de l'intérieur. And if our males don't have the power. Et si nos hommes n'ont pas ce pouvoir. We are centered enough physically. On se sent dans notre corps. Emotionally. Dans le corps émotionnel. Mentally. Mental. And we have enough to give them. Et on a suffisamment à donner. Because remember, we were the mothers of everyone. Parce qu'il faut qu'on se souvienne qu'on était les mères de tout ça, de l'humanité, de l'homme. And we can make everything grow. Et on peut faire croître et millions grandir tout ce qu'on veut. On a ce pouvoir. Millions of times. Millions de fois. Even masculinity. Et aussi la masculinité. Divine masculinity. La masculinité divine, le divin masculin, le masculin divin. And so it is. Et ainsi soit-il. The divine masculine is celebrating the divine feminine within each and every one. Namaste. And the divine feminine is celebrating the divine masculine in you and in every one of you girls. And thank you for being such extraordinary participants and listeners. Et merci d'avoir cet auditoire merveilleux. C'est and we know that this generous attitude and compassion plus intelligence. Et on sait que toute cette attitude de gentillesse, de compassion, de plus présence, beautiful physical bodies, avec ces merveilleux corps physiques, comme will return the balance. On retourne en équilibre. On peut retourner dans l'équilibre. And as I'm asking myself personally now, et is this true? Comme je suis en train de me demander personnellement, doing the work juste in my body, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai de faire ce travail sur mon corps? You can feel it for yourself. Vous pouvez le sentir aussi. But pour my personal answer is yes. Mais ma réponse personnelle, c'est oui.
So it's 23 after 9? 9. I think that we can just say, put an end to this gathering. On va clôturer cette rencontre. Et vous remercier tous d'avoir été présents. C'était un plaisir de participer à ce happening live with you. De participer à ce happening avec vous. Et until next. Jusqu'à la prochaine fois. New surprises. Nouvelles surprises. Tout est possible. Les filles, les yeux dans les yeux à chacune, hein? Vraiment, eyes in the eyes to anyone of you. We are the creator, nous sommes les créatrices. Nous le sommes. Nous le sommes. Et c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Essayons de le croire pour une seconde. Une seconde par jour. Just a second by day, it's enough. To attract the other seconds. You know, just like a magnet. Mm-hmm. Like a magnet. Like a necklace of pearls, of magnets, of seconds, of appreciation. Appreciation of myself. Yes. I said it. Comme un collier de perles qui s'attirent l'une l'autre. Je me dis, ça y est, je peux le faire. Je suis cet magicien créateur. Je le mets en œuvre, je le suis, je le deviens. If you have something to share or ask or suggest. Quelque chose à suggérer ou demander ou échanger, n'importe quoi. We would love to answer, respond. I have a question to myself. J'ai une question moi-même. What if my partner doesn't play his role normally? I do everything right, but my partner doesn't do. Qu'est-ce qui se passe si mon partenaire, what do you mean by your partner, physical partner or inside of you? Physical. 3D. So what happens if si mon partenaire physique ne fait pas doesn't do things like you think, je right? Moi je joue pas son rôle. Travail, moi je fais tout le travail et l'autre partenaire il fait rien. Qu'est-ce que je fais? So I'm doing things right but he doesn't. Je fais les choses bien mais l'autre il le doing fait pas. Things right. Il est pas en train de faire les choses comme j'entends qu'elles soient justes. Qu'est-ce qui se passe? C'est injuste. Or he's not there. Ou alors il est pas là. He's absent. Il est absent. A simple answer. Une réponse très simple. Pretend. Pretend. Fais semblant. He's there. Qu'il est là. Or he's doing the work right. Ou qu'il est en train de faire le travail, son travail, exactement comme il faut qu'il le fasse pour lui, juste pour lui. Because my idea, you're not doing well. Parce que mon idée que toi, tu n'es pas en train de faire ça bien. Or, mon partenaire n'est pas en train de faire ça bien. Or the idea, oh, you're doing so well. Ou au contraire, l'idée que l'autre, il fait tellement mieux. Is only an idea. C'est tout simplement une idée. And that is quantum. And that is? Quantum. Quantum. Et ça, c'est quantique. Quantum. C'est au niveau quantique, quoi. C'est, j'exprime une idée, je crée quelque chose. So, the minute before I erupt as an angry volcano. Alors, avant de faire l'éruption d'un volcan enragé. Against my partner. Envers mon partenaire. I say. Juste, j'essaie de m'arrêter deux secondes. I'm the creator. Et je me dis, je suis le créateur, je suis la créatrice. So you're doing everything.
Qu'est-ce que je veux créer là face à l'autre? Je veux créer la guerre, la grosse engueulade, ou je veux créer autre chose? Qu'est-ce que moi qui est le créateur, qu'est-ce que je veux? No, you're not an idiot. Non, t'es pas un idiot. You're God. Tu es Dieu. What? Comment? But it happens in a heartbeat. Mais ça arrive à temps d'un battement de cœur. So the more we train that. So le plus souvent on arrive à faire ça. The less we have this problem of mismatching. Et on aura beaucoup moins de problèmes de voilà essayer de mettre ensemble les choses. So on aura moins de conflits avec. Just train, just. Juste essayer de vous entraîner. Repetition. Et la répétition, fait que les choses. Because if you think quantum. Si vous pensez d'une manière quantique et pas linéaire, it's like the multiple dimensions. Et comme si les dimensions multiples. And there is a single moment. Il y a un seul moment. That I choose my dimension. Là où je choisis mon niveau. Awareness. De prise de conscience, mon niveau de conscience. So this is my idiot. So là il y a mon idiot. Or my pick. Enfin le sujet de ma colère. Or this is my God. Et là il y a mon Dieu. And this is one single moment. I choose this dimension or this dimension. Et c'est dans un moment identique, le même moment, quelle dimension je choisis. But it's I that am choosing. Bah c'est moi qui choisis. L'idiot ou Dieu. So if I have trained 20 years of idiot. Et si je me suis aligné pendant 20 ans à découvrir l'idiot. I have the idiot reality. The idiot partner reality. J'ai une réalité de partenaire idiot. But who is the idiot? Mais qui est l'idiot là derrière? Who is wanting to have an idiot partner? Mais qui a véritablement envie d'avoir un partenaire idiot? Well, let's switch to the divine. To the God's partner reality. La réalité divine du partenaire. But it needs repetition. Mais ça nécessite de la répétition. La répétition de l'insistance. Habits. Pretend. Repeat. Train. Faites semblant au départ. Retrain. Reframe your realities. Voilà. Yeah. Recalibrez votre réalité. Restructurez. You can do it. Vous pouvez le faire. And good luck. Bonne chance. We're here for you. Grazie. And благодаря also. Благодаря. That I present to you. Okay, and the rest? That's the Bulgarian. Blago what? Daria. Daria. Blago Daria. Yeah. Blago Daria. Blago Daria. So the blago I received, the good that I received, okay. I now surrender blago to you. Daria. That's the name. Thank you. So there is this question of how to treat our physical troubles and physical illness in the light of what we discussed. And here it's very important to know that there are different layers of truth, like different modalities or different dimensions in these realities. Et il faut comprendre qu'il y a différentes modalités, différentes dimensions dans cette réalité quand on parle de troubles de la personne ou de troubles physiques ou de malaise. So even now, in this present moment, we can give you 10 versions of answer. Alors justement, même maintenant, dans le moment présent, on peut donner 10 différentes réponses à la même question.
And I will try to give a working one, good one, for the audience. Je vais essayer de donner une réponse qui fonctionne, qui est juste pour l'audience de maintenant. And I would like you to consider yourself. Et j'aimerais que tu puisses te considérer toi-même. Both the doer and the receiver of the action. Soit celui qui fait que celui qui reçoit l'action. And what is the action? Et qu'est-ce qu'est l'action? The experience of illness. Mm-hmm. L'expérience de la maladie. So if I'm asking who is suffering from this illness? Alors si je demande qui est en train de souffrir de cette maladie? The answer is I'm suffering from this illness. La réponse est je suis en train de souffrir de cette maladie. Je suis. Who is causing the illness? Qui est en train de causer la maladie? I am causing the illness. Je suis en train de causer la maladie. I have chosen the conditions and the interactions. J'ai choisi les conditions et les interactions. I have chosen the threads for this that we know the karma. J'ai choisi tous ces fils, tous ces liens qu'on connaît sous le nom de karma. Law of cause and effect. La loi de la cause et de l'effet. I have chosen the circumstances so that I can experience this condition. J'ai choisi les circonstances à telle fin que je puisse vivre ces conditions. So the work now. Alors le travail maintenant. Regarding a specific condition of the body. À propos d'une situation particulière du corps. Is why am I causing this to me? Pourquoi je me suis causé cela à moi-même? And as we said, it's like a form of gaining masculine and feminine, keeping them together. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une tendance à essayer de remettre ensemble le masculin et le féminin. And there are some parts of the schools, of the esoteric schools. Et il y a des parties particulières de l'école ésotérique. Which say that spirit is masculine and body is feminine. Qui disent que l'esprit est masculin et le corps est féminin. And they say that health is masculine. Et ils disent que le bien-être illness est masculin. Is et la maladie est féminine. So it is an interaction. Alors il y a une interaction. This idea of me being ill. C'est cette idée de que moi je sois toi. In experiencing myself as ill and my body physically feeling painful, for instance. Et c'est moi et faisant l'expérience de ce corps malade et de ce corps qui se sent en souffrance. So when we are working and me physically, practically, I'm asking this question to me. Alors quand je suis en train de travailler avec moi physiquement et pratiquement, quelle est la question que je me pose? What is now this relationship? Quelle est la nature de cette relation? What do I have to learn? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Because if I learn, I will shift. Parce que si j'apprends de cette relation, je passe à un autre niveau. And on the ascended platform. Et sur une plateforme plus élevée, ascensionnelle. Even 2 millimeters. Même seulement de 2 millimètres. Higher. Plus haut. I won't be having the former problem. Je ne pourrai plus répéter le problème précédent. So, if I look at this as a problem or a challenge to myself. Alors si je vois cela comme un challenge pour moi-même. And I accept this challenge. Et je l'accepte. And I transcend this challenge. Et je transcende. I found the solution. Je trouve la solution. So then I will release this suffering. À tel point que je puisse relâcher la souffrance reliée. So this is what Louise Hay has been doing in her system. Ça c'est ce que Louise Hay a continué à faire dans son système. Like the bed model leading to a certain physical state. De mettre le focus sur le mauvais schéma qui amène toujours à des situations de maladie.
And it's always the psychological structure that is bringing the physical structure into a certain state. Et qui démontre que c'est la structure psychologique qui amène la structure physique dans un état physique particulier. So if we use this system, it would look or it would tend to manifest as if I'm having a physical illness, it means that I'm having a psychological structure illness. Donc on va vraiment dans un système où on comprend tout de suite que si je suis en train de recevoir, de vivre une maladie physique, c'est qu'il y a absolument automatiquement une maladie intellectuelle, psychique, au niveau de la structure du mental. So we have to learn to translate. Alors on doit apprendre à traduire. And find the corresponding principle. Et trouver le principe correspondant. And our body knows, my body knows. Et notre corps est courant. What is happening within my mentality and my emotional self. Ce qui est en train de se passer dans mon mental et dans mon cerveau émotionnel. And I would receive the answer. Et je pourrais recevoir la réponse. Because we need guides. Parce qu'on a besoin de guides. Only for their ability to awaken our answers. Et uniquement grâce à leur habilité à nous réveiller, à réveiller en nous nos réponses. And to reawaken the guide within us. Et à réveiller les guides à l'intérieur de nous-mêmes. But you know the answer within yourself, always. Mais vous connaissez déjà la réponse à l'intérieur de vous, toujours. So if my back is aching, I'm asking myself. Alors si mon dos me fait mal, je demande à moi-même. Why? Pourquoi? What is happening? Qu'est-ce qui est en train de se passer? And there is the answer. Et il y a une réponse qui arrive. It might be a word. Ça peut être un mot. It might be a scene, a vision. Ça peut être une vision. It might be an action, but ça peut être une action. It manifests. Mais ça se manifeste. It might be a sound. Ça peut être un son. It might be a vision, even something physical may happen, which will be giving the answer. Ça peut être aussi quelque chose de physique qui peut arriver et the physical language, the kinesthetic language, always gives us the answer. Et de toute façon, toujours le langage kinesthésique donne toujours cette réponse. The only thing is that we have to learn to listen again. La seule chose, c'est qu'on a besoin toujours d'écouter. And the answer is there. Et la réponse est toujours là. And so we have to shift. Et de telle façon, on monte à notre niveau. My new way of thinking. Ma nouvelle manière de penser. My new way of acting. Ma nouvelle manière d'agir. My new way of speaking. De parler. Will keep me on a shifted reality, free from illness. Va me maintenir un niveau de réalité plus élevé, libre. De la maladie. Because I don't need the idiot husband reality. Parce que je n'ai plus besoin du mari idiot dans ma réalité. I need the God. Et je cherche la divinité. Husband reality. La divinité dans ma réalité. And it's my quantum choice. Et ça c'est mon choix quantique au niveau quantique multidimensionnel. How do you feel about this answer? Well, thank you. I need to think about it. Okay, good. I do have some serious thing wrong, and I've been trying to apply my mind to it. Mm-hmm. So, but I'm not sure if I've shifted. Yeah, I've been training. I don't tell this normally in the presentation, but je ne dis pas généralement dans les présentations, mais I have trained in this physical lifetime hundreds of healers. J'ai accompagné dans cette vie des centaines de That's it's not part of my imagination. We have the certificates and stuff international. C'est pas mon imagination. On a les certificats, on a tout. And this doesn't mean that I have solved all my problems. Et ça ne veut pas dire du tout que j'ai résolu mes problèmes. So as you know, as you are on the platform of improvement. Et à partir du moment où tu es sur une plateforme d'amélioration, où tu t'améliores. And also on the path of servitorship. Like you're serving everybody. Et sur le chemin du service, parce que tu es dans le service. In your presence is a gift to the whole. Et ta présence est un cadeau pour tout le monde. It would mean that there is no end to it.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à cela. It means that you always have something to do. Ça veut dire que tu as toujours quelque chose à faire. And the only thing that we have to choose, et la seule chose qu'on doit choisir, is can I do a better thing? Est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Can I get a better job? Est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Un travail meilleur? Yeah, so some of the trainers, they say, you won't be finished with the problems. Problems will always be there. Les enseignants disaient toujours, on n'aura jamais fini avec. But we can choose a better quality of problems. Mais on peut choisir une meilleure qualité de problèmes aussi. And there is a Buddhist practice. Il y a une pratique bouddhiste. With every problem that I have. I use this situation to bless others. J'utilise la situation afin de bénir les autres. I transmute my situation. Je transforme ma situation. My back aches. Mon douleur de dos. And when I feel the ache, the pain in my back, douleur dans mon dos, I just wish that I live in a reality where nobody is having a backache. Et je décide que je vis dans une réalité où personne a des douleurs de. And everybody in this city is pain-free. Et tout le monde dans cette ville est sans douleur du dos. But remember the husband. Bah, souviens-toi du mari aussi. When I repeat this new scenario. Quand je répète ce nouveau scénario. I'm charging my new reality, my new dimension. Je suis en train de charger ma nouvelle réalité. And the ancients knew this. Et les anciens savaient de tout ça. So here is why the Buddhists are doing this all the time. Ça c'est pourquoi les bouddhistes faisaient ça. So sometimes we say, okay, I'm shouting at my husband. Parfois on dit, okay, je crie à mon mari. But by the power of my shouting to my husband. Mais à travers le pouvoir de mes engueulades envers mon mari. May all wives have beautiful husbands. Puisse tout le monde avoir. And peaceful families. Et des familles pacifiques. So this is a form of transmutation. Ça, c'est une forme de transmutation. And it works all levels. Et ça marche sur tous les niveaux. And they say that if we. And they say if we do like this. Et ils disent si on fait ça régulièrement. Even if the medical doctors say. What's your state? Yeah, like for instance, you're going down, my friend. Et même si les médecins te disent quel est votre état, donc. You say, sorry, I don't understand your language. Vous pouvez dire aussi, excusez-moi, mais je comprends pas votre langage. And it's a fact that I don't feel the same pain. Et ça, c'est un fait. Je ressens pas la même douleur. And this, in the esoteric schools, is called karmic entitlement. Et ça, c'est dans les écoles ésotériques et appelé, comment dire, intitulé karmique. Comme une forme d'intitulé karmique. It is in giving that we receive. It is giving what we receive. In giving that we receive. San Francesco. Oui, oui, c'est, ouais, c'est en donnant qu'on reçoit toujours. Donc, donnant davantage afin de recevoir. So, the more I'm giving pain-free reality to others. So, le plus je donne une réalité libre de toute douleur aux autres. The less pain I'm feeling in my life. Le moins de souffrance je vais recevoir et ressentir. And it's dans ma vie. Very strong. Et ça, c'est très puissant. And it's completely beautiful. Et c'est très beau.